Ravi de ces élections, ravi de notre victoire à Fréjus et dans notre circonscription. Julie Lechanteux sera donc la première femme élue députée de notre circonscription. Je m'en réjouis aussi. Enfin, le peuple français va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale. Depuis tant d'années, tous ces millions d'électeurs étaient privés de représentation du fait d'un mode de scrutin inique. Aujourd'hui, plus rien n'a retenu le peuple de faire son entrée à l'Assemblée et donc il va pouvoir porter le projet qui a été celui d'abord de Marine pendant la campagne présidentielle et demain de nos députés qui vont se battre face à la politique de raquette fiscale, de casse sociale d'Emmanuel Macron, essayer de lui faire face et essayer aussi de proposer un certain nombre de choses comme cela figurait dans notre projet. David Rachine, on parle souvent de fête majoritaire, d'ampleur de la majorité présidentielle au moment des législatives par rapport à la présidentielle. Comment vous expliquez que le VAR, assez majoritairement, ait inversé le résultat de l'élection présidentielle ? Écoutez, je crois que d'abord, aux élections présidentielles, dans le VAR, Marine Le Pen a réalisé 55% des voix. Je crois que c'est une affaire de confiance. Je crois que depuis des années, nous avons noué un lien puissant avec les électeurs et les électrices de ce département. Nous avons aussi fait la démonstration localement de notre capacité à gérer des collectivités territoriales, à nous implanter durablement, à répondre aux attentes des Français, des Varois. Et c'est une marque, oui, je crois, de confiance qui nous est portée ce soir et je m'en réjouis. Merci beaucoup David Rachline, donc en direct, maire de Fréjus.